Mouvement KPK dans nord-est pays a reconfirmé que yon l'autre Haïti possible. Bataille paysan pleine ba Marie Barou yo qui depuis 30 août passé a qui campé en face dominicain yo reconfirmé yon l'autre Haïti possible. Solidarité qu'a fait pas bon côté haïtien qui dans diaspora qui pas suspendre mettre tête yo ensemble mettre l'argent yo ensemble pour aider pour construction canal dans nord-est pays reconfirmé yon l'autre Haïti possible. Non moment n'a parlé à là pays d'Haïti a vivre traverser un moment historique. Yon moment qui offre en tant qu'haïtien de nouvelles opportunités. Eh bien, gagné président chambre commerce haïtiano-mexicain, monsieur Jean-Claude Verdier, qui lui-même fait des séries de annonces là, qui ou même qui haïtien qui vivent dans la diaspora, et paysan nous yo qui a planté en dedans pays, pral gagner en pile opportunité, soit pour acheter dans pays Mexique, ou bien pour voir à vendre produit dans pays Mexique. Ou pral gagner tout détail yo dans bon timamite. La caille voisin en République Dominicaine, gen magistrat d'Abonne, Santiago Riveron, qui fait une annonce tête chargée pour jodi lundi 20 novembre 2023. Racisme dominicain, li continue à faire chimel, li continue à faire route. Eh bien, ouvertement, autorité ça, qui c'est magistrat d'Abonne, li attaque toute femme haïtienne nou yo ki nan Dabonne, toute machin haïtienne nou yo ka von Dabonne. Nou pral partage tout donné yo avec ou pou konnen ki sa bagay lan ye directement. Ti proverbe créole la di, so sime, c'est lou récolté. So plante ya, c'est li wap récolté. Ou pa ka plante du riz pou di ou pral récolté maï. Ou pas qu'à planter maïs pour d'où pral récolter pitini. Est-ce qu'on te connaît, compatriotes fraîcheurs haïtiens, pareil, moi, yo? T'es gagné des signes annonciateurs qui te dit depuis en 2010, depuis l'ancien président Michel Joseph Martelly, t'es en campagne que paysan t'a privé côté lié là. M'gagne ensemble de vidéos m'pote pour vous, m'pral partager avec vous, ou pral gagner tout détail, yo. Est-ce que vous avez bonne raison? Est-ce que vous avez bonne tort si vous êtes défenseur et partisan fanatique PHTK? Mais nous allons faire débat sur divers points. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous sommes? M'espérez-nous en forme. M'espérez-nous te passer un très bon dimanche. Jeudi, c'est lundi 20 novembre 2023. Déjà, nous souhaitons vous passer une très bonne semaine sous plateforme Narité. Et à suivre avec nous actualité yo pour qu'on connaît tout détail qui concerne politique dans pays et d'Haïti. Si pourquoi abonner n'a invité yo abonner toujours songer activer petit cloche de notification pour être connecté avec nous. Et avant même nous rentrer dans l'information, il faut que moi prendre un petit temps mes amis pour me dire nous un grand merci parce que hier on était vraiment content, nous sommes content en pile pour m'a garder j'en aurai même love n'a ban moins sur plateforme dans love n'a ban moins et petit mot d'encouragement n'a quitté pour moi, j'en a chouchouté, n'a doloté, n'a caressé. Ah, ça vraiment fait plaisir parce que moi ouais que nous apprécier travail là. Nous apprécions Yannick, nous apprécions sacrifice qui fait yo, nous apprécions plateforme TAC 509 qui bat nos opportunités pour nous rencontrer des séries de jeunes femmes et jeunes garçons qui dévouent pour cause paysan, qui a bataille pour paysan, pour voir est-ce que gagner possibilité, n'a créer possibilité, on a cherché opportunité pour paysan. Pour y avancer. Haïti pas carré de côté lié là, paysan pas carré de côté lié, gens lié là. Donc, il faut nous avancer. Mais, il y a un bail qui t'a attiré l'attention de tout. C'est un ensemble de commentaires que il y a l'autre monde qui a fait. Moun yon nan doua yo, chaque monde qui fait un commentaire, il nan doua li. Et, m'a dit nous ça. Chaque engagement, chaque projet qui lance, que ce soit moi qui fait, que ce soit Foucault qui fait, que ce soit plateforme qui fait, que ce soit l'autre média qui fait, c'est parce que nous voulons bailler le temps.
Nous voulons bailler le temps pour nous comprendre l'importance de partager avec l'autre monde qui en nécessité. Partager avec l'autre monde qui en besoin. C'est pas riche nous riche, c'est pas l'argent nous gagne, c'est pas dans élection, c'est pas élection à préparer, c'est pas en campagne nous yé. Mais nous comprendre le monde a souffri. Nous comprendre le c'est bagay pays qui a réglé. Nous ouais nécessité pour nous mettre maintenant patte là nous faire. Nous bailler le temps et nous toujours prendre plaisir pour nous remercier chaque ami dans diaspora tant qu'en Haïti, tant qu'en République Dominicaine qui toujours petit coulier qui dit bon, m'a voyon bagay m'a contribué. C'est toujours avec un grand plaisir parce que nous toutes ces haïtiens en font bagay pour pays nous. Donc pour zanmi qui toujours mettent dans tête c'est bagay politique qu'a réglé, c'est campagne qu'a réglé, non rien bagay comme ça. En tant que jeune femme qui comprend importance pays, qui comprend importance moun, qui comprend que pays ça m'a vivre là dans si journée jodi m ka camper, m'a parler. Si journée jodi m ka camper non bataille, c'est parce que pays en te offre mon bagay. Si journée jodi m gen possibilité, m gen opportunité pour m'offrir pays en bagay en retour, pour m'offrir l'autre haïtien, l'autre compatriote qui dans situation difficile en bagay en retour, c'est tout un plaisir pour nous faire. Donc ça était important pour nous faire cette parenthèse. Et n'a pas rentré dans l'éditorial pour aujourd'hui parce que nous avons ensemble des formations pour nous partager avec vous. Et j'en t'ai dit, dans le commencement de l'émission, soit planter, c'est lourd récolter. Soit simé, grain ou simé, c'est lui qui a pleuré dans le jardin. Et en Haïti, il y a des financiateurs depuis bien longtemps qui ont déjà dit nous, maintenant qui route nous pour aller à payer. Mais côté n'a mené pays si nous accepter si nous tolérer en catégorie moun groupe moun rete nan poste décisionnel yo comment pral di mon pays a fonctionné alors que moun sa yo qui c'est autorité moun sa yo qui censé là pour bailler le temps qui censé là pour mener pays c'est yo qui prend les pires décisions c'est yo qui nan corruption. Un pays pas qu'à fonctionner pendant que président, premier ministre, sénateur, député, ministre, et secrétaire d'État, juge, avocat, moun sa yo qui sont c'est là pour bailler le ton, c'est yo nan corruption, c'est yo qui détourner l'argent payant, c'est yo qui vole bien payant. Payant pas jamais aller vers l'avant, c'est bac la fête. Mais faut moi dis nous, m'pral partager avec nous yon vidéo que yon zami voye ban moi hier soir. Leurs amis ont fini de voir les vidéos, ça t'a suscité pour me continuer à approfondir vos recherches sous question PHTK, sous question Michel Martelly, sous question gang en dedans pays, depuis après Martelly fin monté sous pouvoir. L'important pour comprendre que, je ne veux dire, ça a traversé Haïti comme crise de sécurité, question gang, question bandit, et question politicien qui a financé gang, secteur privé qui a financé gang, non? L'intérêt où tu t'as venu? L'intérêt où tu t'as venu, et t'as des séries de monde qui t'as été well, qui t'a annoncé. T'as des séries de monde qui t'as comprendre, qui catégorie moun ou dit avec, qui ont catégorie moun qui sous pouvoir, qui catégorie moun ou baille pouvoir dans le pays, pas qu'à gagner l'autre solution, pas qu'à gagner l'autre résultat, pas qu'à gagner l'autre côté pour payer aller que nous trouvons, que nous précipice. On nous garde avec moi, et petite vidéo ça, côté que, et ancien président Michel Joseph Martelly, il était dans un débat électoral, dans l'année 2010-2011. Côté que débat électoral, Martelly candidat à la présidence, et gagné. Et Mélanie Hippolyte Maniga, qui est actuel président de la CTA, lui-même tout, lui était dans la campagne électorale pour devenir président payant. Mais pendant le débat, gagné journaliste senior Dali Valet, qui te prend le soin pour le poser ancien président Michel Martelly une petite question. Bon, faut attendre des questions, et puis après, on va retourner pour nous faire analyse PAM. Et une grande question pour M. Martelly. Gapé le chiffre qui tombe là. En fait, vous parlez d'une bonne gestion des ressources de l'État pour capable de jouer comme pour faire son besoin faire, notamment à partir de son premier jour. Gon article qui sortit la Miami Herald le 7 mars, voici l'article, qui fait état justement de
yon monsieur Martelly qui n'est pas tout à fait un très bon gestionnaire de ses propres avoirs financiers. Et que trois maisons que la banque obligée saisie et que ou pas payé normalement et que ou juste parti ou pas à négocier avec là. Même l'hôpital un peu elle fait poursuite contre vous même peut-être pas payer bill. Qu'est-ce qui nous à partir de ces données disponibles de vos propres gestions de vos propres affaires qui garantit qu'une gagne toute l'agence a tout chiffre ça que on va pas le pas joindre que on pas gérer ou bien dès qu'il s'agit des affaires de l'État. Très facile. Premièrement, la question de l'hôpital est fausse. La question des investissements, elle est vraie. Faut me dire que, d'ailleurs, pouvoir investir dans trois maisons, ça veut dire beaucoup. Yeah. Et Donald Trump l'a fait. Donald Trump a perdu beaucoup, beaucoup d'avoir quand il y a eu ce phénomène que j'ai envie de débattre encore. Crash économique, ça. Et c'était un bagage qui arrivait tout le monde. Et d'ailleurs, je ne suis pas responsable de mes investissements. Si vous voulez, je vous mets en contact avec Madame Natacha Maglore, qui a tout géré pour moi. J'ai perdu trois maisons, ça n'a rien changé de ma vie. J'ai continué. Donc, ça veut dire que ça arrive dans la vie. C'est tout, même j'ai un emballement. J'ai eu une carrière à succès, mais j'ai eu de mauvais balles. L'essentiel, c'est que le bilan reste positif. Non, mais par rapport à... Merci. Par rapport aux affaires de l'État, est-ce qu'il y a une garantie que vous pouvez être un très bon gestionnaire? Encore, pour vous rappeler, pour rafraîchir la mémoire, ça fait deux secondes que je vous ai dit que tout avait été géré par Madame Natacha Maglore, mon real estate agent. Okay. Non, mais il y a d'autres questions, oui. Est-ce que nous pas risquer au moment où il faut rendre compte que ou dit que tel aspect qui était gain pour gérer, c'est pas où tu es responsable? Le m'a dit bêtise. Je reste un homme honnête. D'ailleurs, je vous dis que cette partie de cette question d'hôpital est fausse et que pour les investissements, c'est vrai. Quand j'ai dit des bêtises, je l'ai avoué. Quand j'ai descendu le ping-ping, je l'ai avoué. Donc maintenant, je reste honnête malgré tout, malgré mes déboires. Je reste honnête. Et soyez-en confiants, je resterai honnête. Mais être honnête serait que vous prenez contact avec la banque là et vous négociez avec elle. Serait que vous prenez contact avec la banque et vous négociez avec lui. Non, il a des doigts. C'est pour vous, je me déconne ça depuis hier. Posez. Mon courant, laissez-moi. Je peux répondre à monsieur. Papa, reprenez pour moi, s'il vous plaît, monsieur. Vous me négociez à madame, non? Avec la banque. Ma comprends-toi dire. Je vous dis que madame Maglore est responsable de mes investissements. Ça s'est passé mal, tout comme monsieur Trump, ça s'est passé mal. Et monsieur Trump reste un grand homme. Si vous voulez m'acculer et faire de moi un petit homme, allez-y. Voilà. M'espérez nous bien capter, nous tendre tout petit détail. Là, vous m'avez qui est extrêmement important. Et déjà, nous avons remarqué, Jean-Martel, il toujours est, il fait preuve d'arrogance. Pour lui, son bagage comique, ou son candidat à la présidence, qui gagne intention pour venir président pays, pour mener bas un pays, c'est notre petit comique. Mais, faut moi dire nous tout, Martelly pas jamais pour coller, il toujours gain des séries de monde qui accompagne lui, ça nous rele militants sympathisants qui toujours derrière, qui toujours là pour battre bas, c'est gens nous tande yo. Ça qui beaucoup plus important et ça qui intéresse c'est question de la chose publique. Martelly président et après Martelly quitter pouvoir, nous voyons qui quantité des as. Côte-Côte Petro-Caribéa. Qui s'est réglé avec lui? Qui s'est fait avec lui? Question que journaliste d'Ali Valé lui posait. Ancien président Michel Joseph Martelly. Question ça, c'est des questions, c'est des signes annonciateurs côté que depuis les Martelly a répondu non. Tout le monde qui a avisé, t'es guetant, ouais, que pays a, c'est non précipice. Vous comprenez? Pays a, c'est non trou, y'a pas la gueule. Pays a, monde qui gagne intention pour le prendre tête pays a, pour le prendre reine pays a, c'est non mu droit direct, il pral rentrer avec machine, là. C'est non mu droit direct, y'a pral rentrer avec camionnette, là. Parce que, comme on pral dim, ou déresponsabiliser t'es tout, sous prétexte que, ou mettez une administratrice gérer bien ou acheter sous prétexte que ou mettez un monde diriger ou mettez un monde prendre décision pour ou dans place ou
moun ki gen l'argent ou ki pa gen problème toujours gen des administrateurs. Mais ça pa vle di en tant que propriétaire ou déchargeur de toute responsabilité ou retirer fado a sou do son l'autre moun kap potel. En tant que propriétaire, Mantelli en tant qu'ancien président, constitution fait de li garan bon manche institution yo. Pour quantité de dérives qui passaient, pour quantité l'argent qui gagotait, pour quantité de corruption qui fait, même j'en nous ouais dans débat présidentiel, dans débat qui fait avant élection, Mantelli déresponsabilisé, li déchargé, li de toute bagaille, c'est madame Maglor là. Eh bien c'est même gens yo fin gagoter l'argent Petro-Caribé. Yo dou Laurent Lamotte dou 25 stades qui fait. L'autre ministre, yo gagote, yo dilapide, yo fon paquet faux contrat, yo fait sur facturation, yo bay zanmi, yo akolit yo contrat, et so jene a bien passé dans blackout, etc. Kounya l'opposé Mantelli, question Mantelli Abdou, il n'a jamais été comptable de denier public. Li pat ni ordonnateur, ni comptable. Même so wè, li tout temps répété l'homme de Côte Cop Petro-Caribien, c'est lui même li dit avant. Pendant que t'es dans l'élection, pendant que t'es candidat aux élections. Donc, ou pral dim que si l'annonciateur que pays en t'a pral plongé non total corruption, non chaos généralisé, nous pas t'ouel. Nous t'ouel, mais qui s'acrivé? Voix journaliste, yo. Journaliste qui te comprenne ça que t'as passé, voix ou t'es trop faible. Voir ou t'es trop faible par rapport avec un groupe bandi légal qui te gagne des millions, comprendre, qui te gagne l'argent dans meyo, qui a metté à terre, qui a jeté à terre, pour acheter militants, pour acheter vote, pour acheter partisans, pour acheter sympathisants. Et ou pas qui s'est divisé Michel Mantelli avec Laurent Lamotte, son question de gestion de la chose publique. Parce que oui, Mantelli, il pas ni comptable, il pas ni ordonnateur, mais leur chita entre eux, puis ils planifient comment ils pral gaboter, comment ils pral craser, comment ils pral dilapider, comment ils pral sur facturation. Même le Mantelli, il a dit oui, fais le comme ça. Vine rive sous lui pour arrêter, vine marrer. Sou pas qu'à bail preuve que t'as participé. La prale constitution payant pour le dou, il pas ni comptable ni ordonnateur, ou pas qu'à vine mander le compte. Donc, journée aujourd'hui, il est évident pour comprendre que. Pral gen des élections, pral gen de prochaines élections kap gen pour organiser en dedans pays. Le États-Unis, Canada prend sanction contre classe politique actuelle. Nous comprenons que classe politique qui l'a effondré, l'a rentré dans tout. Mais classe politique qui l'a qui a effondré, qui a rentré dans tout, c'est nous-mêmes comme haïtiens qui pou bay nèg yo verdict final. C'est pas ni international, c'est pas ni États-Unis, Canada, c'est pas ni liste Nations Unies qui pral bay nèg yo verdict final. Le verdict final nous appartient. Et c'est pas seulement question de ancien président Michel Joseph Mantelli ou bien de ministre de gouvernement qui passe sous administration Mantelli. Non. Ça concerne que le député, que le sénateur, que le magistrat. M'pral partager avec nous yon deuxième vidéo. Et dans vidéo si là, nous pral comprendre que ça c'est prémisse, il m'a pas nous là. C'est prémisse parce que quand elle veut arriver, quand elle veut mener nous, on peut arriver là. On peut arriver là. Pour m'arriver là, faut moi faire nous tendre nécessairement un ensemble de déclarations que des séries de négatives faire dedans pays qui ont même l'organe vraiment qu'a parler, l'entendre réellement qu'a parler, est-ce que négzayo, est-ce que monsieur dame zayo. Si yon ta gon quantité l'argent comme ça nan meyo, est-ce que c'est nan bagay gang, est-ce que c'est nan bagay bandi yon ta pral mette, est-ce que c'est zam yon ta pral acheter tout bon avec lui? Que ce soit ancien sénateur, que ce soit ancien député, yon tout yon contribuye nan mette pays à côté de là. On nous garde avec moi, et vidéo ça, parce que journée jodi, faut que nous ka faire le point. Oui, faut que nous faire le point sous nèg sa yo. Qui a pris l'argent payant, prend l'argent dans caisse l'état bail bandi pour régler les affaires souterrain pour ka kembe pouvoir. On nous garde. Valé mon nous fait notre lola. Mon bon zam comme ça qui vend 4000 dollars américains. Moi même. On ti blogue ça comme 4000 dollars américains, on veut shilling d'avoir au Brésil. Ça est pour fan qui ba nous l'élection. Ça a débuté pour fans qui battent dans l'élection. Après l'élection, on a demandé de nous déposer des armes.
Il dit débuter ne pas ca déposer ça. Ba l'adversaire me dégager gagner. Ça me dit. Va le monde nous faire notre tue pour. Nous je dis à final mettre ça matin. Peut-être pas marcher pour nous. Non. Pour pas dit tu mettez nous bas. Nous ne pas de bas. On même mouille dans retour. Ça va bon. Mouille dans retour moi. Troisième général comme là. Parle toi. Yes, yes. Voilà. Li gon zam nan men, li wap gade vre, li gon kwo manch long nan men li. Li nou 4000 dola Ameriken. On jen ti garso kon sa, ki li menm li chita nan pe, il pa pregle rien. Li pa travay, li pa pleve le, li pa pleve le jen. Si li ta gon 4000 dola ki tombe a l'époque, à l'époque, c'est al Brésil, al Chili, c'est ça qui était en vogue. C'est pas payant t'as quitté vrai. C'est pas payant t'as quitté pour aller chercher la vie mieux de l'autre côté. En tant qu'autorité, ou besoin chef dans pays, hein? Ou besoin d'un sénateur, besoin d'un député, ou besoin d'un président. Nous assurez-nous que il y a un paquet de petits jeunes qui vulnérables dans quartier populaire yo. Gère série de zones qui stratégiques, qui gagne moun à vivre là dans la quantité, c'est là électorale. Nous besoin moun à plein une pour nous, à bourrer bulletin dans une pour nous. Qui ça nous fait? Nous débarquer là en 2-3 manches longues, nous baille pas viol. Nous baille petit jeune garçon yol. Et puis automatiquement, nous déviel parce que candidat X, qui besoin député dans telle commune, li gon en face. Li gon l'autre candidat en face si tout pral baye zam. Sénateur qui besoin et sénateur dans le département l'Ouest. Qui a rencontré avec Grand Ravine, qui a rencontré avec Tibois, qui a rencontré avec Nèg Cité Soleil. Yo. Yo gen l'autre candidat en face yo. Tout qui pral baye l'autre candidat versant l'âge, qui pral baye aux zam. Kounye a, le moun sa yo vin fè ennemi pou ou pendant campagne. Kounye a, l'on fin candidat ou te candidat ou vin sénateur, vin député ou vin président. Ou pense le facile pou nèg lan dou mes zam dans la première tour? Et moun sa yo ki en face yon. Et moun sa yo te gitani comme ennemi pou ou parce que te pote zambali yon. Et bien c'est comme ça gang yo peuple en dedans pays. C'est comme ça gang yo prend naissance. Kou gen élection qui lance, kou y'a parlé de élection ou met tout koni y'a parlé de l'autre groupe gang qui pral prend naissance. Politicien nou yo, secteur privé ya, mais qui en dedans l'État, yo assuré yo de toute connexité. Un, c'est yo qui génère gang yo en dedans pays. Deux, c'est yo qui finance gang yo en dedans pays. Trois, c'est yo même qui toujours a créé conditions pour la justice, pour la police, pas jamais arriver démanteler ni servir contre bandi sa yo. Donc c'est pas sans raison ou attendez. C'est pas sans raison ou pral tande bon faut tande ou de ma avoye ou te touyel. Même commissaire gouvernement en réalité, il connaît qui est-ce qui fait un bandit jeudi, il connaît qui est-ce qui te bat nos âmes, il connaît qui est-ce qui te mette dans la situation. Je ne sais pas si jeudi là, et pour commissaire t'a dit par contre aide de nous. Si mépris lui-même, c'est cause des profanes, il est venu pour faire de 1 million comme un goud, pour fan prendre, pour par rapport à ma cité non, dans la jeune gâte à venir. Et puis juste dit ouais pas gagne des raisons c'est timé pour nous mettre en face moi mais je dis à nous même nous pas nous mais faut timé pour bien monter tout voilà. Entendez donc la justice qu'on est commissaire gouvernement qu'on est père qu'on est pasteur qu'on est enfant cœur qu'on est père savant qu'on est pas bon monde qui pas au courant de qui est qui a financé gang, de qui est qui a créé gang, de qui est qui a bay bandi j'arrête. Et il est tellement vrai que nèg yo konnen, c'est nèg qui nan politique, c'est nèg qui nan secteur privé qui a financé gang, qui a bay gang j'arrête, qui créé gang yon de dans pays yon. Communauté internationale, que ce soit pays États-Unis, Canada ou bien Nations Unies, rapport d'enquête sont sorti, yo mette non mateli, yo mette non paquet l'autre autorité en dedans pays. Qui gagne relation proximité avec bandi? Mais si nous même en Haïti, nous pas choisi sanctionner nèg yo, nous pas choisi écarter nèg yo définitivement sous scène politique là, tôt ou tard, yo a toujours créé l'autre joueur. Yo a formé l'autre joueur vin mettre sous terrain pour faire job yo.
pour faire job yo. Parce que un gang yo créé à la police pas jamais rivé démanteler gang ça d'une manière ou d'une autre, il toujours été au service yo. Deuxième bagaille, le fait que c'est yo qui contrôle pouvoir dedans pays, c'est yo qui contrôle moun qui pral nan direction la police comme DG, c'est yo qui contrôle moun yo mette comme inspecteur général, c'est yo qui gagne contrôle moun yo mette comme directeur départemental, c'est yo même qui gagne contrôle moun yo mette dans toute institution comme commissaire gouvernement, comme juge, etc. Ou pensez, gang sa yo fin kreye yo, gang sa qui continue à travailler pour yo, ou pensez le pral facile pour marrer gang yo? Bon, pas ka marrer patron gang nan, comment pral marrer gang nan? Donc, en Haïti, nan moment là, y a trois groupes moun qui empêchent nous même haïtiens, qui a vivant dedans le pays, nous pour nous vivre confortablement, pour nous vivre en toute sécurité. Y a trois groupes moun qui empêchent ou même qui haïtiens qui vivent dans la diaspora, yon empêchent ou vin rentrer dans le pays ou tourner back. Vin prati retrait ou vin à l'aise corps ou les périodes estivales vin nan fête champêtre vin nan rara mais 1er janvier pral rive là de pourtant de 24 décembre rive gen moun ki pa jam négocier 24 décembre yo non Haïti pou yo passer lui a ti ménage pou yo passer l a maman yo a papa yo famille pou yo passer lui bon moi même gon zanmi mwen chaque 24 décembre yo toujours planifier fête yo de pou fin novembre rive 1er décembre pral rentrer toujours planifier fête yo pendant yo États-Unis gen États-Unis gen Canada gen ki la France yo planifier tout bagay kabrit gen ta acheté poule gen ta acheté yo préparé barbecue yo préparé tout bagay yo pour yo vini 2 jours avant pour yo vini enjoy ça gen 3 ans yo pas jamais ka rentrer en Haïti bon 3 ans pa rien gen moun ki gen 10 ans, gen moun ki gen 20 ans ki pa jam ka rentre à Haïti pour ki sa sous pression, sous menace de série de vagabonds yo mette nan zone, empêche diaspora retourner dans pays yo pour yo voler kayo, pour yo voler terre, pour yo voler bien yo. Trois groupes moun sa yo, ou gon groupe bandi légal, nèg a cravat yo, ou gon groupe nan secteur privé a. Et troisième nan, c'est communauté internationale la. Ouais, communauté internationale mafia ça. Jodi an cette vidéo rafraîchit mes mémoires, vinn partager avec nous. Comme Petrocaribe a songé bien, le contrat est signé avec Venezuela, l'agence a son l'argent t'a pral permettre développement pays. Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau social, créer travail, mettre campé industrie, mettre campé entreprise, bay courant 24 sur 24 etc. Autant de l'argent ça le passé dans pays blackout. L'argent ça a passé dans faire 25 stades fictifs bah qui pas même existait. L'argent ça li passé dans pays bandi armé bandi etc. Eh bien gagné Reginald Boulos. Reginald Boulos lui-même qui saute côté sorti. Étonnamment, nous connaissons qui quantité et contrat PNH te passé avec compagnie machine Boulosan. Que ce soit pour bail PNH un paquet Nissan qui tout pas bon, paquet Nissan. Pas de bon même. Pas de bon du tout. Eh bien, Reginald Boulos même qui ça le déclaré. Récemment, m'a tombé sous vidéo côté que Reginald Boulos a baillé un ensemble d'explications côté lui-même ni apprendre comme Petrocaribe a passé. Là m'a regardé vidéo n'est pas carence avec figi moun parce qu'on nèg qui t'es dans chita faire contrat avec l'état vendre l'état des séries de machines qui pas même qu'a fait job blanc pour PNH qui pas même qu'a fait travail là pour la police prend contrat pour acheter gros équipement lourd qui pas même qu'a fait travail en vrai qui pas même équipement de qualité et pour ces même moun ça qui vient nique certifié dit et puis qui vient à ba ensemble d'explication et États-Unis ancien ambassadrice Pamela White et li pral dou côté comme Petrocaribe passé alors que lui-même tout dans comme Petrocaribe oui bon faire nous tendre non un pouvoir ou un gouvernement qui n'a servi qu'à accumuler de l'argent donc quelque part je ne sais pas qui est le maître qui est le suivant. Il y a une accumulation de 120 millions de dollars. Le gouvernement américain m'a dit il y a des accumulations. La Pamela White l'a dit. Pamela White m'a dit qu'il y a 120 millions de dollars d'accumulés à travers les hommes qui étaient au pouvoir. Oh,
Est-ce que c'est ça l'offre politique de 2022? Est-ce que c'est ça l'offre politique de 2022? Ça veut dire l'offre de 2022, ce sont les gens au pouvoir, c'est peut-être Kali Ali qui gagne leadership. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que je dis. La troisième voie ne peut pas être la violence de Lavalas. Elle ne peut pas être la gabégie financière de Petro-Caribé. Voilà. Par contre, on est bon traduire en bois créole pour nous parce que le général Boulos, c'est pas juste l'étape réglée. On comprend. Et le fait que on connaît, c'est pas toute les populations haïtiennes. D'ailleurs, majorité population pas gain accès à l'information. Là, yo vini nos émissions, c'est juste yo vini faire pour amadouer moun yo pour empêcher moun yo comprendre ça rap dire. Là parler de accumulation de 120 millions de dollars américains. Connotation, li fait approche par rapport avec fonds pétro-caribéen, l'argent pétro-caribéen qui dilapide. Mais 120 millions de dollars américains, ça que Boulos a parlé, hein, qui dit que, Pamela White dit que gon accumulation de 120 millions de dollars américains qui fait. C'est dans l'idée parce que à l'époque, l'on vini avec mouvement troisième voie, l'on vini avec parti politique lien. Vous comprenez, nèg yo te mette yo en face président Jovenel Moïse à l'époque, et d'ailleurs, tenez bien, oui, sous Jovenel Moïse, pas de question de fonds pétro-caribé. Bagay sa te gete fin gabotel, te gete fini, ou te yo fin dilapidel. Kounya, l'on vin fè approche en 2022, est-ce que c'est ça qui offre? Nèg sa yo te tellement influent, à terre, yo te tellement te gen l'argent yo tap mette. C'est dans l'idée pour le rallier directement PHTK version 1. Matelion, comme c'est Matelion qui t'est venu avec Jovenel, li rallie automatiquement Matelion, mettez-le avec Jovenel, pour le dire que vous faites accumulation de 120 millions de dollars qui dilapide dans le fonds pétro-caribéen. Mais c'est très malhonnête. C'est très, très malhonnête de la part de Reginald Boulos. Et lui connaît ça très bien. N'est-ce pas tellement malhonnête, je ne dis pas, on a cherché Reginald Boulos avec baleine, nous pas kawel. Et tout le monde a posé la question, comment fait Reginald Boulos? Youn ou deux jours avant assassinat président Jovenel Moïse, il courit quitter pays à l'aller. Il courit quitter pays à l'aller, il pas jamais retourner à Haïti. C'est comme s'il prend asile, l'aller, il quitte Haïti. Quitter quitte Haïti, hein? Li propre texte, il tout retire l'école dans la politique pour des raisons et de santé ou bien pour des raisons personnelles, il retire l'école sous scène politique là. Mais est-ce que ça l'a avait péché par rapport avec quantité l'argent yo mette à terre pour créer instabilité en dedans pays en ce Jovenel Moïse? Est-ce que ça l'a avait péché pour quantité allié te gagne dans opposition politique là qui quantité l'argent nèg ça yo dès que c'est débloqué pour créer instabilité pour créer crise en dedans pays? Ça l'a avait péché? Non. Ça parle avec Péchel, mais on a toujours joué des séries de monde qui partisan, c'est partisan qui toujours a défendu 1000 goudes, qui toujours a défendu 10 000 goudes dans mes exayo, qui a toujours paraît figure bien dit pour dire que Reginald Boulos, il n'y a pas de gagne pour le avec Petro Caribe, il n'y a pas de gagne pour le avec dilapidation Petro Caribe, alors que gros paquet de contrat bidon qui passait, gros paquet de contrat qui passait pour quantité l'argent, alors que si, c'est l'autre entreprise, si c'est l'autre côté où t'es acheté matériel ça que Reginald Boulos t'a vendu équipement machine ça yo, il va t'apporter l'état tout comme ça. Qui sont prêts à le faire de surfacturation ça yo? Qui sont prêts à le faire de concurrence déloyale? Qui sont prêts à le faire et le fait que ou on y bénéficie toute passation de marché public yo, ou on y bénéficie yo, ou prend contre au four en bas bras ou aller avec lui. C'est celle où vend machine, c'est celle où gain entreprise en Haïti? Non. Mais tout chalon tombe sous do Jovenel, li tombe sous do président Jovenel Moïse avec administration, avec gouvernement, etc. Ma fè nous quitter coquin ici. Et n'a continué parce que li important, ou même en tant qu'haïtien, que en Haïti, que en diaspora, pour comprendre que, gen yon prochaine élection kap gen pour faire dans deux pays. Que c'est année prochaine, que c'est dans 6 mois, que c'est dans 1 an, ap gen élection pour faire. Élection ça qui pral gagner pour fête là, yo déterminant dans 5 ans dans 10 ans qui pays nous pral gagner. Qui pays nous pral construire. Est-ce que n'a toujours gain stabilité dans pays? Est-ce que n'a toujours gain sécurité dans pays? Est-ce que n'a toujours gain nèg k'ap vinn faire corruption dans pays? Est-ce que n'a toujours prend des séries de candidats à la présidence qui irresponsable depuis le commencement avant même que li président avant même li sénateur dans pays?
Le yon gen modèle discours sa yo, est-ce que n'a pas accepté? Est-ce que n'a pas d'accord pour yon vin nan te payan, pour yon vin occupé administration publique la? Ça li extrêmement important. Nan fon coup de pied la kay voisin en République Dominicaine, kote que nou konnen nan jou ki sot passé yo la, genye cyclone ki sakaje bil voisin non. Si c'est pour sakaje moun mouri, à route crasée, hop, bilan li vraiment lourd, parce que le gouvernement, président Abinader, il prend disposition jeudi, lundi, demain mardi, l'école fermée et administration publique là, il est fermé, pas vraiment gain aucune activité qui a fait, parce que gain moun ki mouri, gain pile de gars qui fait en République Dominicaine. Faut moi attirer attention nous même haïtiens sous sacré la nature là, sous sacré les cyclones là. Parce que gen zanmi moi qui chita, qui vraiment content, qui a préjoui. Faut nous pas oublier, République Dominicaine, c'est pas seulement Dominicain qui a vivre là-dedans. Gen haïtien pareil, nous. Pendant Dominique, après les deux, maintenant, t'as crié de l'eau, non, j'ai pensé que yo perdu poche, yo perdu caillou, business yo allé, machine yo allé. Gen haïtien, tout cas, vivre en République Dominicaine, qui n'a situation difficile. Kay kote yo te rete a van pral, kay kote yo te rete a li inonde, yo ap cheche madame, yo ap cheche petit, yo ap cheche tantin yo pa wel. Donc question intempérie, catastrophe naturelle, question la vie moun, an nou pa banalize, ok? An nou pa banalize, parce que depuis nous fel, nous konnen moi même m'am dit nous balè la jan liye, pa gen pran plaisir dans ça. République Dominicaine nous ouais au moins qui plein yo font paquet canal yo font paquet et comment on relève ça yo ça nous relève tout rego en Haïti canalisation la caillo yo propre etc. Malgré ça l'eau descend l'eau fait dégâts la caillo bon et nous même tout rego nous yo plein fatra canal nous yo plein fatra monte 17 hauteur et nous même hein. En tout cas, nous parions dans malheur, mon bon. Dernier bilan, il y a environ 23 moun qui perdu la vie, en République Dominicaine, suite à gros la pluie, qui passe suspend tomber pendant week-end, la inondation, glissement terrain, n'a pas appelé parmi victimes, ouais. Voilà, mais ça me tape dit, nous, il y a 3 haïtiens à 4 citoyens américains, selon centre opération d'urgence en République Dominicaine, qui perdu la vie, donc, pas de question, ri dans malheur, moun, pas de question, ri, du fait que de loi beauté dominicaine, qui dégâts en République Dominicaine. Et, gain magistrat d'abonnement, Santiago Riveron, qui lui-même lui prend une grosse décision là. Bah connait si c'est fou et Riveron commence fou parce que lui ouais c'est capé calé canal n'a pas campé. Eh bien magistrat d'abonnement lui fait connait à partir de jeudi lundi 20 novembre non, yo pral mettre dehors toute femme haïtienne, toute marchande, toute vendeuse haïtienne qui a vendu dans marché rue Capotillo à Plaza de Las Verduras et puis Placio. Place machin haïtienne yo te occupé yo, yo pral prend toute place sa yo pral bayli avec machin dominicain qui a vend yo même que ce soit dans Ricapoti que ce soit dans Plaza de Las Verduras en République Dominicaine dans localité et d'abonnement. Li déclaré que toute femme haïtienne, toute machin haïtienne qui vend dans zone sa ou m'sot cité nous là que yo aller chercher en place dans marché binational là. Zone sa yo ta vannan, la pleuve yo, c'est Dominique qui pou vann la net. Li pap kite aucun haïtien chita pou le vann nan espace sa yo. Et d'ailleurs, li tellement senti, sa la fe a li nan doual, li nan bodoual, li dit que ce soit journaliste, que ce soit l'autre autorité qui paraît pour critiquer, li pap fe kale yo. Li gen tan mobilise agence frontio, li gen tan fe message a passer que jodi an la, yo a pleuvé toute femme haïtienne, toute machine haïtienne ka vann, que ce soit nan Capotillo, que ce soit nan Plaza de Las Verduras. Qui s'en vle nous comprendre? Moi vle nous comprendre que, Dominique qui raciste, pas gagné qu'a fait changer niveau raciste envers haïtien. Ou m'attendez, nègre la fait l'argent avou, ou a fait l'argent, ou a pas acheté la cali, ou a pas acheté nan mel, la style raciste, la style parle wow, la style parle mes formes tête. Li connaît que gen moun ki pral di c'est raciste, pour qui ça c'est haïtien yo. Non moment crucial côté que nous en conflit avec yo pour question canal. Nous en conflit avec yo parce que tout le monde qui sorti avec produit dominicain, autorité nan wana met yo saisi yo retu yo. Yo connaît ça. Donc l'al doul pa kite machin haïtien vann nan de espace sa yo
pour yon al vendre dans marché binational là, c'est pour au moins marché binational là ka gè activité, pour au moins marchand dominicain yo pour yon ka fè kòb lan le ou la façon. Yo a fè racist, yo a exploité nous et puis yo vle nous faire silence. Nous même nous là, non seulement n'a informé compatriotes haïtiens qui en République dominicaine yo, n'a exhorté yo à la prudence parce que dominicain nèg sa yo rele Santiago Rivero non. Monsieur ça sacrété pour le voyer Washington nous pas wel, son monde qui a pris des décisions incalculables. Yo pas calculé vrai. Yo pas calculé parce que si on t'a s'il t'a calculé yo, il t'a bien temps ouais c'est bagaille raciste il a réglé. Mais pour une raison ou pour une autre, c'est haïtien à pas attaquer et nous ouais arrogance Abinader, nous ouais arrogance ministre commerce dominicain, mais qu'on y a une autre fois nous pral ouais arrogance magistrat Santiago Riveron nan d'abon. À bon entendeur, salut et parce que l'important pour nous gain information ça pour nous veiller côté n'a mettre pied non. Maintenant nous connaît décision que Dominique prend gouvernement dominicain Abinader et yo te prend contre Haïti. Yo pas fait nous mal, nous toujours dit ça, yo pas fait nous mal avec décision, yo fait nous bien parce que yo ba nous en occasion pour nous mettre tête nous ensemble, en occasion pour nous retirer corps nous en bas yo pour nous suspendre dépendre de yo dans question commerce mais pour nous garder comment nous ka mettre camper la caille nous des structures pour paysans yo planter pour paysans yo joindre machine agricole pour yo joindre l'eau pour yo faire jardin. Eh bien dans l'idée ça gagne plusieurs pays gagne en pile haïtien qui a cherché opportunité dans paquet de pays. Nous récemment gagne bateau qui saute Colombie qui vient avec ciment dans sud pays. Eh bien faut moins dit nous gagne Jean-Claude Verdieu qui portait bonne nouvelle. Bonne nouvelle ça yo, c'est suite avec des opportunités qui créé entre Haïti avec pays Mexique pour nous acheter nan men Mexique. M'gagne yon ensemble de formations m'pral partager avec vous. M'pa konnen si ou konnen produit ça. Ça ou gade là moun ti moun ki leve a grand moun. Ba parler de moun je calé bodo pressionnant qui yo même yo toujours don ba bien avec torchon torchon gratter pomme a couper pomme etc etc c'est se ba yo ti serviette c'est ba yo ti ba étranger pour yo ben eh bien moun en dehors yo yo connaît ça m'a montré là ba ça le les torchon moi même grand moi t'ai connu utiliser yo t'ai connu faire laver chaudière avec lui li décrasser chaudière bien. Gen moun ki utilise l pou yo bien. Eh bien, pays Mexique qui connaît importance produit ça et en Haïti son produit qui leve nan rage sans attendre pas soit passer leur torchon et c'est pas tout moun ki connaît, gen moun ki wèl comme zèb, gen moun ki wèl comme fatra et pourtant li gen importance li. Eh bien, pays Mexique qui lui même dans moment chaque mois yo presque acheter entre 5 à 6 millions de dollars de produits ça nous elle acquérir les torchons. Eh bien dans moment n'a parlé à la gè opportunité gon couloir qui l'ouvri pour Haïti pour paysan nous yo pour haïtien nous yo machin haïtien moun qui konn produit ça pour yo exporter torchon à vendre dans pays Mexique. Bon kite nous tendez Monsieur Claude Verdieu, qui lui-même a banou plus de détails. Par exemple, c'est lui-même qui a alimenté la République dominicaine à certains produits que la République dominicaine revoye banou. Par exemple, Gabon, exemple, Jumex. Jumex, ça, c'est Mexico qui le fait. Gabon, exemple, Cocoé. Tout Cocoé, ouais, qui a déballé sur Haïti, là, c'est pas Dominicani qui fait, c'est des bateaux pleins de Cocoé. Qui sont au Mexique de Cala jusqu'en l'air. Vous comprenez? Tout bagay ça, même ça, me faut comprendre, non? Qui fait m'intéresser à Mexique, c'est l'échange. Ça veut dire, y'a pas sorti, quand comme t'as dit, pour acheter seulement, y'a besoin de certains bagay là. Par exemple, et les bagay y'a besoin, c'est sur tout point. L'arrivée sur le plan culturel, qu'on y a là, nous, on peut parler avec certains autres collaborateurs haïtiens pour nous mettre la maison d'Haïti au Mexique, c'est une maison culturelle, c'est une maison qui parle fait que yo exposé artisanat nous, peinture nous, musique nous, toute qualité échange. Ça veut dire premièrement est-ce qu'on voit qui part qui fait.
Deuxièmement, c'est la formation que vous parlez à nous. Mm-hmm. Vous êtes intéressé à nos formations. Vous êtes intéressé à investir certains bagages parce que moi, je rencontre des investisseurs mexicains. Vous dites comme ça que c'est dans l'ordre de 50 millions qui est intéressé. C'est pour fonds bagages en Haïti. Par exemple, moi, je n'en compare ici, moi, par exemple. Mm-hmm. Qui va le faire, et qui va le monter comparé en Haïti. Moi, je n'en compare qui est intéressé dans la plateforme pétrolière. On parle de trois plateformes pétrolières dans différents points. Mm-hmm. Ça, c'est pour m'expliquer que qu'on pas qu'un bas problème où t'es qu'on gagne. On parle pas gagne encore. On prend, et problème d'en passer à tout. Moi, qu'on est, ça m'a parlé à la Windel, m'a exposé à toutes sortes de qualités, bah, parce que y a des gens qui pas comprennent, ni. Mm-hmm. Y a des gens qui, ou qu'on est, mauvaise habitude. Oui. Y a la vie dure. On l'a vu dure. Y a des gens qui sont bah, qui facile pour lui, pour traverser la Dominicanie. Bah, poser personne, monde, à faire ça. Mais, pendant ce temps, faut me voir l'autre alternative, à la République Dominicaine, parce que la République Dominicaine, faut apprendre, respecter un partenaire. Mm-hmm. C'est pour qu'on deal avec un partenaire, avec tout respect. Mm-hmm. Un respect mutuel, qui, que tout le monde qu'a comprendre, pour payer à qu'a, bon, l'autre, sous, on l'autre forme de collaboration. Maintenant, dans quel point de marché, vous voyez, je vous dis, là, pour Maison de la Culture, là, et puis, en même temps, de faire venir des hommes d'affaires en Haïti. Qu'est-ce que vous faites déjà? Bon, problème qui passe, là, nous devons le faire en exposition, dans le mois de décembre, non? Mais, disons-t-il, difficile parce que l'histoire rapprochée. Mm-hmm. Par contre, s'il est capable de faire en mois de décembre ou bien en mois de février. Mais, ça, moi-même, je l'ai dit au Windel, nous avons un avantage énorme que pour ne pas perdre, parce que, pas oublier, c'est pas une sorte de chambre que nous allons faire, que chaque année nous réunir pour nous boire champagne ou bien manger fromage avec un sandwich. C'est pas une sorte de chambre qu'on a habitué. Mm-hmm. Ça, c'est une chambre, comme d'adieu. Qui est active, qui est dynamique. Qui est dynamique, et puis qui est ouvert, comme d'adieu, à tout le monde qui a un projet, tout le monde qui a un bagage, venez pour nous partager. Par exemple, vous avez gardé vos fruits, mon marché. Son bon bagage, vous pas le saisi. Pour, où est bagage, il est torchon, hein. On sort des plantes qui comptent comme ça. Et puis, l'aile sèche, son sort de fibre, en fibre naturelle, ça, avec le fauteuil, quoi, yo. Y a un marché pour les, en Europe. Je dis que ça son marché de 5 à 6 millions de dollars par année. Mm-hmm. Pour me faire un torchon seulement. Les torchons sont ragés en Haïti. Vous voyez ça que les torchons, hein? Bagaille, comme d'adieu, qui, quand on comporte, quand on sort de petit melon, mais l'aile sèche, oui, et puis, on est fibre là, quoi, ça, belle, ou nettoyer. Mais on a besoin de quantité, ça veut dire. Non, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on nous pas même planter? Oui. On va qui lever comme ça. Non, dans zone aride, Dieu sait. Oui, dans zone aride. So, ça veut dire, si, on connaît, on l'autre problème encore. Toute sorte de produits, ça, au Wendel, c'est le produit que personne n'a pas intéressé là-dedans, en parlant de Haïtien. Parce que qu'on est, on est l'offre et l'agriculture en Haïti, c'est pour veiller les produits. Mm-hmm. Par exemple, on plante une banane. Ou même si on met une banane, il y a quatre personnes qui veillent qui le régime n'est bon pour le passer voler la souhait. Mm-hmm. Ou même, c'est des bagailles qui planté, c'est pour ne pas intéresser. L'autre monde. C'est pour ne pas intéresser l'autre monde. Mm-hmm. Par exemple, vous avez Aki, par exemple. Aki a son, c'est plat national Jamaïque. Mais, les font un petit pomme. Mais personne n'est pas intéressé parce qu'on connaît pomme ça, dit toxique. Si on mange, il a mouru. Il pas connaît bien. C'est so, une pelle. Mais il pas connaît, c'est l'aile pété. Ça veut dire, pomme dans le côté rivé, le pété, c'est le gaz toxique la sorti. Mm-hmm. Et puis, il est bon à consommer. C'est une bonne bagaille. Un paquet d'opportunités. Nous tendez toute bagaille. Qu'on y a? Moi, une question m'a posé, nous, là, par rapport avec opportunité, ça. Par rapport avec offre, ça, qui devant nous, hein. Combien d'en nous, là, qui vient à préparer nous pour nous faire contact, pour nous réeler famille, nous amis, nous, pour nous dire, bon, il y a une opportunité qui crée là, oui. Combien lien de torchon nous, dans la zone, là? À chercher, à regarder, etc. Parce que faut que nous pas quitter l'opportunité, ou aller. L'opportunité yo vini devant nous. Les portes qui l'ouvrent devant nous, faut nous pas quitter yo aller. Faut nous pas quitter bagay yo passer n'importe qui gens, fait n'importe qui gens. Mais,
Dans le contexte de crise ça qui gagne entre Haïti avec République Dominicaine, côté que Dominicain yo même qui mettait dans tête yo Haïti c'est bouche yo haïtien c'est porte-monnaie etc. c'est seulement là pour nous faire l'argent, yo pas respecter nous, yo pas ba nous valeur, yo pas ba nous aucune importance. Eh bien, par rapport à chaque décision qui prend, que ce soit relation commerciale qui doit faire avec Mexique, relation commerciale qui doit faire avec Colombie, relation commerciale qui doit faire avec la Chine, relation commerciale qui doit faire avec la Turquie, etc. Nous pensons que République Dominicaine, pays voisin, pas toujours chercher l'autre opportunité pour regarder comment était qu'à boycotter nous. Et c'est ça que fait nous, nous pas gain droit, nous pas gain droit aller eux même. Nous pas gain droit aller eux même parce que Dominicain avait. Et ça qui triste, me songe m'était dit nous ça dans émission. Gros ami qui t'est partageons ensemble de documents avec moi. République Dominicaine, gros ensemble de produits à vendre sous marché haïtien là. C'est pas même la caillou yo fait, c'est pas même produit yo. C'est revendre ya pour revendre avec haïtien comme si c'est eux même qui distributeur. On pas believe that. C'est message là m'ta me passer. Et surtout quand comme radio pour me dire mon yo comme ça que l'un mois ça seulement avec le début du mois prochain, je vais commencer à recevoir bateau. Et puis, forme de comme ça, que, adresse chambre, c'est là, rue Auger, Pétionville. Nous, là, troisième et quatrième étage. Troisième étage, là, c'est une compagnie. Ils vont commencer à recevoir bateau. Recevoir bateau. Capoter qui ça? Capoter manger, capoter, premièrement, c'est aliment. Okay. Alimentation. On a commencé avec des bagages qu'on a achetés. Oui, ça veut dire. On n'est pas obligé exclusivement de prendre de l'autre côté. Non, nous pas besoin d'occuper l'autre là, même. Tout le temps, nous avons joindre l'autre côté, on dégage l'autre côté, et puis ceci. L'autre dimanche, on va parler de du riz. Du riz, bois, sucre, farine, l'huile, tout le bagage. Ciment, tout le bagage. Bon, ciment, abviné. Après. Avec les bagages. Et vous êtes en règle avec l'État haïtien pour ça? Non, ça n'a pas de problème, parce que nous avons tout appuyé l'État pour ça m'a faire, parce que pendant mon passage et au Mexique, nous avons eu la chance de rencontrer avec le premier ministre qui était avec une coïncidence qui était là en sorte de réunion sur l'immigration que tu as fait au Mexique. Les d'accord pour les deux? Non, ça c'est certain, parce que m'expliquer le soir, je phrase une autre jour, là, me dit le patriotisme des Haïtiens a ses limites. Oui. Nous avons seulement un mois pour y remédier. Il était comprendre ça. Et puis, il était bien content qu'on ait que donc, nous avons compris le patriotisme qui a une limite. Là, nous avons expliqué le monde qui a passé en bas fil, elle a acheté manger quand même malgré. Oui, malgré il a commencé. Il a commencé, c'est le problème. Yeah. C'est donc, là, vous venez en partie avec réponse. Oui, avec réponse de garantie que mon n'y a pas commencer à importer les bagages. Pas quelqu'un en route, qui est en route là, non? Non, c'est samedi, on commence la route, parce qu'on connaît. Pour y'a en route là, faut charger le bateau pour un petit temps pour charger. Mais quand on me dit, on fait un mois, et puis toute fin mois, et commencement l'autre mois, après des bateaux qui a entré, et que mon n'y a senti présent sur. Et puis, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle. Oui, ça, c'est la plus grande nouvelle. Et puis, l'autre bagarre encore, oui, d'elle, c'est quand comme d'adieu, pour me faire, moun yo connaît que tout ça, yo gagne en tête, yo, yo ka vin, et partager, là, avec nous-mêmes, parce que son chambre de commerce, c'est échange. Ça veut dire, c'est pas acheter, n'a pas acheté, c'est pas vendre, c'est pas acheter, n'a pas acheté tout, nous ka vendre tout. Pour qui ton téléphone? Oui, téléphone, moi, c'est 37 80 23 28. Et puis, gagne 47, 35 77, ça c'est agronome Donald Joseph. So, si vous pas venu, vous pas venu agronome, non. Mais, ça m'a recommandé moun yo, c'est pour aller dans le local là. Nous dans le troisième et quatrième étage. Quatrième étage là, c'est la chambre de commerce. Troisième étage là, c'est Haïti Mex. Haïti Mex, c'est compagnie ça qui parle, qui plus a fait importation et exportation. OK. Bon, et mais c'est l'icône de la musique aussi qui que a pour se voir ici. Bon, yo pas yo comme on l'a dit en Haïti et Windel. On pas de dire ça. On ne reconnaît pas vraiment les valeurs. C'est pas moi même qui va le faire dire ça pour le reconnaître. Son bagage peut-être qu'il a naturellement là eux même. Mais quand on m'a dit moi même franchement que d'ailleurs que bagayo vient changer sur le plan politique pour nous capable
pour tout le monde qui l'a, tout artiste qui l'a, comment me dire ça, en bas à bande qui a sorti, parce que j'ai l'impression que nous avons, c'est comme me dire, nous avons des bons retardements et en matière d'artiste, de bagages, de produits qui besoin de sortir. C'est ça, qui a cherché occasion, qui a cherché opportunité. Qui pas qu'à sortir. So, pendant ce temps, moi-même, m'a pu encourager autour, quand vous m'avez dit, pour nous faire l'autre route, pour nous former tête, nous, dans le pays, comme au Mexique, pour nous aller étudier. Et puis, moi-même, toute collaboration que m'a baillé pour ça qu'à arriver, parce que quand on me dit Windows, moi même ça, mais ça cap bien, yo. Cap prend la relève et puis pour fond relève qui tout à fait différent avec tout ça, nous te gagnons en vrai. Et puis bon, moi même c'est ça que m'ta souhaité. C'est ça. Voilà, nous tendez toute bagaille. Est-ce que nous avec qui jouer Dominique a joué avec nous, yo? Et c'est ça que faut, ouais, Abinadel ou le gouvernement dominicain, yo agressif comme ça sur Haïti. Ouais, yo fait tout arrogance ça parce que yo connaît. Yo konne piye yo sou kou nou par rapport avec dépendance qui gagne de ça n'a pas acheté la caillou de ça n'a consommé qui saute la caillou même là c'est pas yo produit même là c'est dans mes l'autre pays yo acheté mais comme yo gagne volonté pour yo faire business comme yo même c'est l'argent yo besoin faire c'est l'argent y a fait avec nous tout yo a cherché opportunité qui ça empêcher nous chercher opportunité la caillou mouvement canal ça construction canal sous rivière massacre m'a dit nous ça. C'est commencement révolution économique haïtien qui commence là. Révolution économique n'a fait là. C'est pas ni l'État qui entame, c'est nous-mêmes haïtiens, le simple citoyen. Automatiquement, nous te dit, nous pas continuer avec République dominicaine. Nous pas prendre l'ordre dans le gouvernement dominicain. Nous pas consommer produits dominicains n'importe qui j'en crois. Là, dominicains ont commencé. Comprendre que nous-mêmes haïtiens, nous pas choisi rester sous dictature, nous pas choisi continuer rester dans même bagage statu quo ça, côté que tout ça que t'es fait, la continuer fait même genre, non. Journée jodi a doué bon chambardement qui fait, doué gagner un bagage qui change. Et pour bagage arriver changer, c'est nous-mêmes haïtiens pour continuer mener bataille là. Parce que, réalité, c'est qui s'allie. Maintenant, ma font une recherche. M'a regardé budget l'armée dominicaine. Et c'est pas sans raison nous les dominicains yo a fait tout et vous comprenez, yo rivé sous frontière là, là yo a déployé, yo a fait agression etc etc. Non. C'est pas sans raison yo a fait intimidation parce que l'armée dominicaine yo a un budget pour l'année 2023 ça, yo un budget qui évalue à 640 millions de dollars américains. Yon la met poko bataille yon fois. Yon la met pal longue yon fois. Donc c'est tout normal, nèg yo y a besoin tester capacité yo, tester force yo. Et c'est nous même qui pays voisin nous. C'est nous même qui pays voisin yo, c'est yo voisin nous. Donc si gen yon problème qui ka éclater, c'est entre nous deux à la éclater. Avant que yo ta en conflit avec n'importe le pays, c'est avec Haïti pour yo troquer kon yo, pour yo tester force yo. Eh bien, pendant temps de gagner 640 millions de dollars américains qui investissent dans la médaille, dans la dominicaine, non? Ou pral saisi tande, la dominicaine gagne 60 000 soldats réguliers là-dedans. Yo gagne 30 000 soldats paramilitaires. Yo gagne 63 avions militaires. Yo gagne 31 hélicoptères. Yo gagne 14 bateaux militaires de patrouille, yo gen 12 tanks, yo gen 2500 lot véhicules militaires de tout type. Ça veut dire, nous gen l'armée voisin qui bien équipé, qui plein matériel, qui gen des millions de dollars dans le budget chaque année, qui pour qu'on bataille une fois, qui pour qu'on fait expérience de combat de terrain une fois. Donc, l'homme se n'exa, yo vini là, sous frontière là, yo débarqué sous canal là, yo vini intimidé, yo vini agressé, yo vini faire tout petit magie ça yo. Ou pas c'est sans raison? C'est pas sans raison. Yo envie bataille, yo vle bataille. Mais le nou ap gade en face nous, le nou ap gade disproportionnalité qui gagne. Hein? Si nous mettez l'armée dominicaine avec l'armée d'Haïti sous même balance, ça pourrait être deux bagay nettement différents. Ça pourrait être deux bagay nettement différents pour qui ça? Parce que moun sa yo nou gagne en tête l'État, yo pas assumé responsabilité, yo pas prendre décision qui bon pour pays, qui bon pour peuple haïtien. Mais ça pas vle dire pour autant que li te mette avec bout de zong, nous te mette avec bout de bois, li te mette avec wash.
Nous pas quitter Dominicain, vin manquer des gars n'importe qui gens. Nous pas quitter Dominicain, vin violer espace territorial nous n'importe qui gens. Nous pas quitter Dominicain, vin intimider n'importe qui gens. Nous ka bataille et nous gien droit pour nous défendre pays nous. Nous gien droit pour nous défendre intégrité territoriale nous. Donc que l'on veuille ou non, c'est Haïti lié. Mais bon, la baye qui est extrêmement important parce que journée jodi an, pendant nous à Dominicain yo en pépan comme ça, yo a pouvè zèl yo sou Haïti. C'est parce que quelque part, yon ingrat. Yon ingrat. Et comme yon ingrat, yon son peuple qui ingrat, yon oublié rapide, yon produit même yon. Et c'est nous-mêmes qui pour commencer prendre note pour yon, pour n'empêcher que pareille situation li reproduit. Nous, ouais, pendant le week-end, nan, qui grosse cyclone qui passe, qui quantité de dégâts qui fait. Eh bien, dans l'année 1929, ça c'est de l'histoire, moi, jouen, information qui dit que après cyclone 1929 là nous aider République dominicaine nous aider Saint-Domingue reconstruire la caillou dans baio manger dans même année 1929 là sous influence pays États-Unis parce que à l'époque États-Unis était tellement présent que ce soit en République dominicaine que ce soit en Haïti, Haïti signe un accord de bon voisinage ont accord en mitaille avec République dominicaine. Dans l'année 1936, nous pralvin signé le protocole d'accord encore avec République dominicaine. De 1929 à 1936, malgré n'a pèsé renforcer relation d'amitié nous gagné signé protocole d'accord entente etc., ça n'a pas empêché que en 1937 président Trujillo passe l'ordre pour massacrer des milliers d'Haïtiens. En bas, j'ai même pays États-Unis qui t'a facilité protocole d'accord, qui t'a facilité accord d'amitié, etc. En bas, j'ai tout. En bas, j'ai communauté internationale. Jusqu'à présent, que t'es Trujillo, que t'es famille Trujillo, y'a tout à l'aise en République dominicaine. Yo tout confortable en République dominicaine. Pas gen youn yo te poursuivre, pas gen youn qui te condamné, pas gen youn qui te sanctionné pour massacre yo fait sou haïtien yo. Ça pas empêcher que autorité haïtienne yo continue dans même démarche dans même ligne là, rapport de bon voisinage avec République dominicaine sous base rapport diplomatique. Président Jovenel Moïse monté en 2021. Président Jovenel Moïse voyait délégation à la République dominicaine monter en comité mixte pour évaluer travail construction canal là, parce que les ça administration Jovenel là dit que yo pral faire canal sur rivière massacre. Toute évaluation faite, toute étude faite, toute bagaille passe très bien. Yo est que construction canal là, li pas porter aucun problème pour République dominicaine, li pas préjudiciable à rivière massacre, nous ka construit canal là paysan yo ka prendre l'eau etc. En 2023, deux ans après, c'est même République dominicaine ça qui violé. Yo violé toute entente, yo violé toute relation, yo violé tout ça que t'es signé entre deux pays, yo. Abinader violé tout, sous prétexte que, n'a pas détourné de l'eau, n'a pas volé de l'eau, n'a fait ceci, n'a fait cela. Nan j'ai autorité qui l'a, yo, nan j'ai Ariel, nan boule figue Ariel, et ça qui pique grave là. Ça qui pique grave là, oui. Pendant Ariel veut en délégation République dominicaine, al chita pour parler avec autorité dominicaine, yo, Abinader ferme frontière, Abinader prend décision, etc., etc. Donc comprenez bien. Si n'a suivre déroulement l'histoire, si n'a suivre quantité bagaille qui passe dans l'histoire pays nous, n'a pas République dominicaine li pa yon pays fiable. Dominicain yo pa un peuple qui fiable pour nous dire nous gen relation qui basé sur respect, qui basé sur confiance, qui basé sur parole donnée, le respect de la parole donnée, le pas ça. Étant donné li pas ça, nous pas qu'arrêter chita croiser bras nous à regarder, un pays cap n'a fait l'argent, c'est pays ça cap dénigrer nous, c'est pays ça cap humilier nous, c'est pays ça cap maltraiter nous et puis pour nous choisir, vous comprenez? Nous choisir nous couber nous couber nous baisser n'a fait figue n'a continuer toujours dire avec nous. Si yon pas qu'à respecter nous en tant que acheteur potentiel yo en tant que pays qui a fait ou fait l'argent que nous cherchons l'autre opportunité l'autre trou pour nous faire affaire moun ki ka faire affaire avec nous dans respect dans dignité donc opportunité yo lancé
et président chambre commerce et Haïti Mexique là monsieur Jean-Claude Verdieu li bay numéro pour nous contacter nous-mêmes qui besoin rentrer nous-mêmes qui besoin rentrer dans projet nous-mêmes paysans nous gè proche nous qui besoin exporter produit à vendre dans pays Mexique contacter saisir opportunité saisir occasion il n'est jamais trop tard pour bien faire depuis ces paysans à pédé. Depuis ces paysans ont aidé, depuis son coup de main à bailler la République, il pas jamais trop tard. Donc jodi an la nous tout ça nous te gagné pour nous dans émission. Donc m'a invité au partager vidéo, à continuer encourager travail là parce que il est extrêmement important pour reste pays, pour reste monde là qu'on est qui ça qu'a passé en Haïti qui concernait et pays qui concernait autorité qui concernait et chagrin haïtien. Si vous pouvez abonner, m'a invité à abonner, activer petit cloche de notification et comme ça vous pouvez être connecté avec nous ou pas rater aucune vidéo n'a gagné pour nous poster. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où remet pays et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel parle là pour qu'à bien informer avec Yannick.